bon secondaire. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à Victoire des Marais, votre nouvelle maison. Ne soyez pas trop fin, monsieur Prudhomme. C'est la rentrée, hein? C'est le temps d'asseoir votre autorité. Mais voyons. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit accident de ping-pong, là, je veux pas élaborer là-dessus. Bon, ben de toute façon, t'auras pas beaucoup de discipline à faire aujourd'hui, parce que c'est pour ça que la rentrée de ce matin, c'est juste pour les secondaires 1. Et ça, votre respect, monsieur Prudhomme, c'est une grave erreur stratégique. Sans les grands pour tenir en respect les petits, ils vont être hors de contrôle. Mona, du calme, hein? Ça va être la plus belle rentrée qu'on aura jamais eue. Ah oui, j'espère, hein? Parce que vous savez que la rentrée des petits, c'est le reflet de ce qui va se passer avec eux autres pour les 5 prochaines années. Je sais. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qui s'est passé il y a 8 ans? Non! Non! La rentrée de l'enfer, c'est fini. C'est terminé, c'est du passé. Ça se reproduira plus jamais. Jamais! OK? Ouais. Bon, il faut que j'aille à mon bureau. C'est ça. Mona, avez-vous ça un ruban à mesurer? Parce que je pense que j'ai encore grandi. C'est la rentrée des secondaires 1, Hugo. La tienne, c'est demain. Ah! Bon, ben, à demain. Une bonne chose que tu sois là, dans le fond, parce que je pense que je vais avoir besoin de renfort. Pourquoi? Ah. C'est encore mieux que dans mon souvenir. Ça va être ici notre base pour les 5 prochaines années. Ouais! À moins que ce soit déjà une base d'une gang de grands. Mais on s'en fout des grands. On était les quais à notre école primaire, ça va être pareil à Victoire des Marais. Oh, salut Hugo! Hugo travaille aujourd'hui, hein? Pas de familiarité avec le personnel. Toi, tu vas surveiller le salon étudiant. C'est ta mission prioritaire, compris? 10-4. Je t'ai fait une copie de ma liste noire. Il y a là-dessus les noms de tous les nouveaux élèves qui sont potentiellement fauteurs de trop. Je suis sûre qu'on est ici. Chut! Peut-il te dire que c'est une liste top secrète? Tu dois la montrer à personne. Je vais la prendre par cœur puis l'avaler. Comme dans les films d'espionnage. Mais non. Oh, puis fais donc ce que tu veux. Bonne chance. Je suis sûre que je suis premier sur la liste. Puis toi, t'es en deuxième. Mais non, tu rêves. C'est moi en premier puis toi en deuxième. Mais non, c'est moi en premier. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Moi. Salut, Yaya. Et tu te rends compte? Enfin, dans la grande école. Mais il me semble que je suis petite pour être en secondaire 1. Ben, pas plus que les autres, là. Hey, tu vas voir, ça va super bien aller. Je suis pas sûre. C'est tellement grand, j'ai peur de me perdre. T'as pas fait le tour du monde en bateau, toi? Ouais, OK. T'as raison, là, je vais me débrouiller. On est déjà venus, puis ben, c'est pas grave. Si ma sorcière est pas là pour m'aider, puis me guider, puis me soutenir moralement, puis... Oh, je suis tellement contente de te voir, là! Ben oui, moi aussi. Ça te dérange pas si je reste avec toi toute la journée? Ben... Comme ça, on sera pas tout seul avec du monde qu'on connaît pas. Ben, tu sais, on connaît quand même plein de gens de notre ancienne école, là, puis... Le secondaire, c'est le meilleur endroit pour se faire des nouveaux amis. Je l'ai déjà, ma meilleure amie. On va pas se lâcher. On va être comme des sorciers à mon avis. Qu'est-ce que tu fais, Hugo? J'étudie la liste noire de Mona. On peut regarder? Non. C'est top secret. Mais tu sais, ça serait mieux pour nous qu'on voit la liste. Ah ouais? Ben ouais, comme ça, on saurait qui il faut éviter. Tu sais, si on se tient avec la mauvaise gang dès le début, là, ça pourrait gâcher nos vies. Tu veux quand même pas gâcher nos vies, hein, mon beau-frère préféré? Ben non, jamais. Vous avez 10 secondes, pas plus. J'ai vu des gars dans les toilettes avec des pétards à mèche. Hein? Pour vrai? Ouais. J'y vais tout de suite. Hey, on est même pas sur la liste! Je sais. Puis est-ce que t'as vu qui est en première position? Ludovic Dubois. Ludovic Dubois, il nous arrive même pas à la cheville. T'inquiète pas, ça va changer. On va montrer à toute l'école que notre place, c'est en haut de la liste noire. Ouais! Alors, bonjour à tous. Bienvenue au Collège Saint-Blacide. Bon, ben, merci et félicitations à mademoiselle qui a compris ma blague. Hein? Voyons. Ah non, on est à Victoire des Marais, voyons. Non, non, je suis Jean-Pierre Prudhomme, votre directeur. Monsieur Prudhomme, j'ai juste quelque chose à vous dire. Le trou de pète a dit quoi?
Quoi? Hey boy, c'est la rentrée de l'enfer, hein? Chut. OK, non, s'il vous plaît, on se calme. S'il vous plaît, on se calme. Bon, alors je vous présente Mona S. Tanguay, votre surveillante qui va vous surveiller. Hein? Vous avez d'affaires à pas me chercher parce que vous allez me trouver. Non, mais vous trouvez pour vous aider, hein, Mona? Uh-huh. Oui, non, mais... bon, je pense que vos parents vous ont prévenu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cours et qu'on va tous manger à l'école, hein? Alors, moi, j'ai pensé à une petite activité pour vous aider à mieux apprivoiser votre nouvelle école. Alors, on va organiser, en partant, un grand rallye! Oh, ça, là! OK? Monsieur Prudhomme, est-ce que c'est le même jeu qu'il y a 2 ans? Des bonnes chances. Non, Hugo, je parle, là. OK? Oui, c'est le même jeu. Donc, OK, alors, c'est ça. Vous allez trouver des mots dans le but de former une phrase. Hey, Hugo, la phrase, c'était quoi déjà? Ensemble, en équipe? Non, c'était... Ensemble, on est plus fort. Ah oui! Oui, c'est ça! Ensemble, on est plus fort! Monsieur Prudhomme va probablement passer à changer la phrase. C'est parce que j'avais pas prévu que tu serais là, là. Que tu me dirais à tout le monde, là. Bon, ben, OK, on va oublier le grand rallye, là, puis... bon, ben, en attendant la prochaine activité, vous pouvez, je sais pas, moi, explorer l'école, hein? Wouh! Faites comme chez vous, là. Les 5 pires années de votre carrière viennent de commencer. Hey! Plouf, saute! On a rien fait, c'est toi qui as gâché le rallye du directeur. OK. OK, c'est de ma faute. Mais c'est aussi de votre faute d'avoir fait faire en sorte que c'est de ma faute, de m'avoir fait dire la phrase. Genre... En tout cas, vous comprenez très bien ce que je veux dire. T'inquiète pas, Hugo, là. On va trouver un autre jeu pour remplacer l'autre. On joue à Homme sur Terre. Oh oui! Hugo, on va avertir tout le monde, s'il te plaît. OK. Tout de suite. Allez, venez vous en, gang. Let's go. Comme on va s'apercevoir que c'est notre faute, on va être au top de la liste, c'est certain. C'est tellement facile. Venez-vous bien me dire ce qui se passe, là? Comment ça se fait? Il y a des jeunes grimpés partout. Ils jouent à un arbre. Bon, OK, non, excuse-moi, Cindy. Mon âme veut simplement te dire de jouer tranquillement. Pas trop en place. Non, à l'école, je veux que tu m'appelles monsieur le directeur. Mais là, tu sors avec ma mère. Mélanie, elle t'appelle comment, elle? Ben oui, mais c'est parce que Mélanie, c'est ma vraie... Non, OK, appelle-moi Jean-Pierre. Ah oui, charmant. Astor de Guédienne. Vous autres, descendez de là, là! Bon, non, c'est une catastrophe. Ah oui. OK, je vais te demander de garder le fort pendant que moi, je vais aller penser à un plan d'intervention stratégique, de restructuration de la clientèle. OK, me donnez-vous les pleins pouvoirs sur la suspension des élèves au premier avertissement, monsieur? Non. Ah! Ah oui, allez-y, tout le monde, soyez pas gênés, on sera hors de Tu peux bien me dire ce qui te passe par la tête avant des courants d'air? Mais quoi? C'est super bon pour la discipline, ce jeu-là. Ben oui, ben oui. Mon idée de génie, là, vient de te gagner une place sur ma liste noire. Voilà, mon nom. Averti. T'en es tranquille. Qu'est-ce que tu fais, Mathis? Tu joues pas à Homme sur Terre? Oh, j'aime pas ça, ce jeu-là. Je vais faire lire le manuel de l'école. T'es bizarre. S'il y en a trop comme lui qui joue pas, là, ça va pas être assez de bordel dans l'école. Il faut passer à la vitesse supérieure. Oh, j'ai une idée. Sais-tu où est-ce qu'il est, lequel du concierge? Non, pourquoi? Il est juste là. Tu sais, je suis peut-être bizarre, là. Mais je suis bien pratique aussi. T'es bien mieux Google Maps. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans le local du concierge? Trouver des tournevis. Beaucoup de tournevis. Tu te dis que tu voulais jouer sur Terre. Mais c'était tantôt là, regarde, il y a plus personne qui joue sur Terre. C'est dur à suivre. OK, ben, à quoi on joue d'abord? Toi, je sais pas, mais moi, j'aime relaxer dans le salon du temps. Et j'ai avec toi. Jacolette! Tiens! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais là, on joue à Jacolette. C'est comme tag normal, mais quand je te touche, je te donne un tournevis, puis tu peux t'aider. C'est ça, Jacolette. Je ne serai jamais plus qu'un siège de toilette. Viens là-bas, je vais faire ta place. Tu l'as pas fait. Cindy, t'es prête à jouer avec toi? Mais je peux pas aller avec toi sur l'étudiant.
En tout cas, moi, si on me donne un tournevis, j'aide les poussins sur les toilettes. Mais si tu le fais, je te suis. Allez, allez, go, 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 vous êtes capables! Ouais! Hé, fais le bûcher, lui! Hé, hey, Julien! Regarde ce que je vais trouver! Hein? Vous voulez le poids d'une porteur de bonheur? C'est dans ton bac à sortir des toilettes. Hé, tu crois-tu comme une vraie bro? C'est même facile avec un café. Mais je vais lui rappeler. Oh, pas de problème. Tu diras que c'est moi qui l'ai volé et que t'essayais juste de me ramener. C'est sûr? Ouais, je fais ça autant pour moi que pour toi, je te le jure. Ok, on va voir dans le ventre. Qui a osé prendre mon carré portable? Puis qui a dévissé les sièges de toilette? Non, non. Oui, je comprends, monsieur. Je ne dois pas être le premier directeur d'école à vous demander un transfert. Je comprends, mais je... Ah, non, non, non. Ici, tout se passe très bien. Ah, c'est une vraie rentrée de champion. Là, M. Prudhomme, là, c'est l'enfer dans l'école. On dirait la troisième guerre mondiale entre les hobbits et les petits lutins du Père Noël. Ah, ben non, monsieur. OK, je vous rappelle. Hugo, t'as jamais appris à frapper avant d'entrer? Je ne dérange pas, là. Je viens porter votre livraison de bledin. Les autres sont où? Quelle autre? J'avais commandé 12 douzaines, là, il n'a juste une. Justement, c'est 13 à la douzaine. Oh! Et c'est juste des enfants de 12 ans, ils ne doivent pas manger tant que ça. Oh! Non, définitivement, c'est la pire rentrée de ma carrière. Mais c'est ma dernière à Victoire des Marais. Hugo, je t'annonce que je viens de demander un transfert. Vous ne pouvez pas nous faire ça? Et qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Ah non, mais il y a un autre directeur qui va me remplacer. Là. Ah, OK. Ah, content de voir que tu t'en remets aussi rapidement. C'est Prudhomme. Senti sensiblement la même chose s'était passée. Oui, merci de ta... C'était un barbecue familial. Je gardais mes petits cousins. Je voulais m'arracher les cheveux de sa tête. Puis soudainement, j'ai eu une idée. Non, toi? Oh, oui, je vous jure. J'ai décidé d'organiser une partie de cache-cache. Puis je me suis tellement bien caché, là. Ils m'ont jamais trouvé. Quand je me suis réveillé, ben, les petits se calmaient. Et oui, c'est ça. Hugo? Si j'avais pas si peur que tu m'écrases comme une noix, je te prendrais dans mes bras. On a le droit aux noix à l'école. Le frère! Qu'est-ce que tu fais avec le quadriporteur de la surveillante? Mais j'essaie de battre un record de vitesse, là. Puis tu vas à quelle vitesse? Mais pour l'instant, entre escargot puis tortue. Ça, c'est sûrement parce que le limitateur de vitesse est activé. Puis est-ce que ça s'enlève? Ben, j'ai lu un manuel d'instruction sur un modèle qui y ressemble, mais... Ça devrait être juste ici. Alors, regarde, tu passes de tortue à lièvre. Ah ben, tu sais, c'est pour moi. OK. Wow! Je m'excuse, mais faut que tu regardes pas où est-ce que t'allais. Je savais que j'aimerais pas ce secondaire. Ça va aller, là? Attention, attention, ceci est un message de votre directeur. J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'on va faire une belle grande partie de cache-cache. Cache-cache? Ben là, c'est bien bébé. Alors, vous allez vous cacher. Hugo, Mona et moi, on va vous chercher. Et le dernier à être trouvé se mérite un congé de devoir d'une semaine. Hein? C'est bien cool! Ben ouais, les congés de devoirs, ça me permet de lire plus longtemps. Alors là, on va aller dîner. Après le dîner, on va reprendre. Et à partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour aller vous cacher. 1, 2, 3, go! Je sais déjà me cacher. J'ai mémorisé le plan de l'école. Tu viens de dire? Ouais, j'arrive! Et moi aussi? Ben non. Parce que, tu sais, si on se cache tout au même endroit, ça va être trop facile pour eux de nous trouver. Toi, tu te caches ici. On se voit au dîner, bye! Tu commences bien mal ton secondaire, ma petite fille. Et j'y fais. Oh. Tu viens de te mériter une place sur ma liste noire. Bienvenue. Quoi? Yaya sur la liste noire, mais c'est n'importe quoi. Hein? Pas beau, ça? Ah, hein? Non, mais une partie de cache-cache, là, ça, c'est l'activité idéale pour faire revenir le calme dans l'école. Ah, Hugo, t'es un génie. Yes, sir. Fait que là, vous cherchez au premier étage, puis moi au deuxième. Hein? Non, non, non. C'est ça l'idée de cette activité-là, c'est que les jeunes restent cachés, tranquilles. Ah, c'est brillant.
Fait que si vous avez pas besoin de moi, je peux aller me cacher moi aussi. Pourquoi? Et pour avoir le congé de devoir. OK, Hugo, je viens de te dire que j'ai pas du tout l'intention de trouver quelqu'un. Justement, ça va me donner encore plus de chances de gagner. Oui, mais Hugo, c'est pour... OK, hey, bonne chance. Ferme la porte. Enfin, le silence. Mais là, si tout le monde est parti se cacher, ça sert à quoi de faire des mauvais coups s'il y a personne pour les regarder? Ouais, le directeur vient de gâcher la rentrée. Mais pour moi, ça fait longtemps qu'il a gâché ma rentrée. Ma meilleure amie veut rien savoir de moi. Je me fais frapper par un quadriporteur, puis je suis sur la liste noire de la surveillante. Ouais. Est-ce que la fille est interdite par le code de vie de l'école? Ben, la fille, peut-être pas, là, mais tant qu'elle reste ici à rien faire, on pourrait aller dîner chez nous? Ouais! Tu veux venir? Mais on n'a pas le droit de manger à la maison aujourd'hui. C'est pas un vrai règlement. On peut sortir si on veut. Puis si on se cache pas dans l'école, on est sûr de gagner la partie de cache-cache. Ouais. OK. C'est parti! Dans un film. Hey, mais si on est accusé d'avoir aidé Gaïa à manquer l'école, c'est sûr qu'on va être sur la liste noire. Monsieur le directeur, les jeunes sont sortis de leur cachette pour manger. Ben oui, c'est ce que je leur ai demandé. Quoi, ils ont recommencé à s'énerver? Ah non, pas encore, mais d'après moi, ça devrait pas tarder. Mona, tout est sous contrôle, là. Mon activité les a calmés. Là, ils vont dîner tranquille. Après ça, on fait une deuxième manche de cache-cache jusqu'à l'épluchette de blé d'Inde. Tout est parfait. Ah oui, manque juste le blé d'Inde. Ouais, non, je travaille là-dessus. Là. Ouais. Je ne pas trouver. Ça veut-tu dire que j'ai gagné de congé de devoir? Hugo, c'était quoi de faire partie de cache cache? Oh, laisse faire. Bravo, tu le mérites. Félicitations. Woohoo! Bon, mais reste discret, hein? Pas un mot à personne. OK. Hein? Quoi? Je savais que je finirais par reprendre le contrôle. Oui, mais la journée n'est pas finie, hein? Quand c'est trop tranquille, d'habitude, ça cache quelque chose. Bon. Monsieur le directeur, je cherche mon amie Gaïa. En fait, elle était collée après moi pendant toute la journée, puis là, plus aucune trace. Mais elle est peut-être juste restée cachée. Je veux même pas à cache-cache. Ah, je vous l'avais dit. Bon, alors là, tu vas trouver Hugo, tu vas lui dire de prendre les présences, puis moi, je vais appeler ses parents. OK? Mais attends un peu, là, qu'est-ce que je vais leur dire aux parents de Gaïa? Moi, de toute façon, c'est qui déjà, Gaïa? C'est la petite sœur de Sierra. Mais je peux appeler ses parents à votre place, si vous voulez. Es-tu certaine, Mona? Ça, c'est une situation qui demande de la diplomatie. Ah non, mais pas de problème. L'ancien voisin de mon oncle est diplomate en Belgique. Je vais vous montrer comment on fait dans la famille. Bonjour, père, mère ou tuteur légal de... Gaïa, oui, je suis Mona Estanguet, la surveillante de Victoire des Marais. Oui, le directeur a perdu votre fille. Comment? Ah, à cause d'un jeu stupide, là. Oh, excusez-moi. Oui, non, vous inquiétez pas. Monsieur Prudhomme a l'expérience de ces situations-là, oui. Mais là, c'est pas la première fois qu'il perd un enfant. Mona, sais-tu, j'aime mieux m'en occuper moi-même, finalement. Ah. Et on n'aurait pas dû quitter l'école, là. Déjà que mes parents seront pas contents quand ils vont apprendre que je suis sur la liste noire de Mona. Mais t'es-tu pour des affaires que t'as même pas faites? Ça te donne le droit de faire un mauvais coup gratis. Puis en plus, nous, on a essayé d'être dessus toute la matinée, puis on n'a même pas réussi. Ouais. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vous donnerait d'être sur la liste? Ben parce qu'on est les rois des mauvais coups. C'est une question d'honneur. C'est notre réputation qui en dépend. OK, ben je m'excuse de vous dire ça, mais vous vous trompez. Vous méritez pas d'être sur la liste. Hein? La présence des élèves, puis il manque Gaïa. Ah oui, ça, on le sait, là. Puis les deux Julien. Hein? Non, Julien Bocage puis Julien Allard-Fraser. Affirmatif. Je vais te manger. Oui, Hugo, merci. Est-ce que Stéphanie travaille aujourd'hui? Non, elle rentre juste demain. Mais avec un peu de chance, ça sera pas chez elle. Oui, mais vous avez son numéro de cellulaire. Oui, merci de me le rappeler. Monsieur Prudhomme, je pensais à ça, là. Puis si je regagne encore à la deuxième manche de cache-cache cet après-midi, est-ce que je vais avoir deux congés de devoir? Excuse, mais on a gâché le rallye du directeur, on a parti homme sur terre, j'ai eu l'idée de l'attaque toilette,
puis j'ai encouragé Cindy à garder le quadriporteur de Mona. Wow! Homme sur Terre, c'était mon idée. Un détail. L'important, c'est que tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui, c'est de notre faute. Puis on s'excuse. Viens pas nous dire qu'on mérite pas d'être sur la liste noire, là. OK, mais vous avez rien fait par vous-même, là. C'est super brillant. Ce que je voulais dire tantôt, là, c'est que vous êtes trop intelligent pour être sur la liste. Ouais, c'est vrai qu'on est trop intelligent. Ça serait le fun d'avoir un peu de reconnaissance. On pourrait se dénoncer. Mais non, ça serait vraiment pas intelligent. Je peux peut-être vous aider. Fromagerie de la Vache Folle, bonjour! Oh, bonjour, monsieur le directeur. Ah, désolé, on savait pas qu'on n'avait pas le droit de sortir pour dîner. Non, je l'ai pas vu. C'est qui ça, Gaïa? Non, paniquez pas. Êtes avec nous, c'est juste une blague. OK, on arrive. Bye. Si on n'est pas dans 15 minutes à l'école, il nous convoque avec nos parents dans son bureau. Et merci, les gars. Il n'y a jamais personne au primaire qui m'a invité à manger chez eux. Mais là, on va te réinviter. T'es plus le fun que je pensais, puis en plus, tu nous trouves intelligent. Oh, je me suis tellement inquiétée pour toi. Pourquoi tu me l'as pas dit que tu partais? Mais t'étais cachée. Oui, bon, j'ai pas été super gentille tantôt, là. Je m'excuse. En tout cas, à partir de maintenant, je te lâche plus pour toute la journée. Cool. Oh, t'es là, toi. Hey, encore 2 minutes, puis j'appelais tes parents, là. Ils sont où, les Juliens, là? Ils sont partis au salon étudiant. Bon, OK. Alors, on va mettre cet incident-là derrière nous, OK? Parce que finalement, vous serez peut-être pas une cohorte aussi insupportable que je pensais, dans le fond. Ah non, mais vous êtes super, là, hein? Oh, vous êtes... belle bande de jeunes dynamiques. Ça peut vous rassurer, là, je peux vous dire que vous causez tout le désordre dans l'école. Ah oui? Comme ça, c'est de votre faute si on a eu la pire entrée des 8 dernières années. Gaïa nous a tout raconté. Homme sur Terre, les sièges de toilette, mon quadriporteur, tout! J'ai juste une chose à vous dire. Vous venez de vous mériter une place de choix au sommet de la liste noire. Oh non! Oh non, pas la liste noire! Trop tard pour les regrets. À partir de maintenant, je vais vous avoir à l'œil comme un aigle sur 2 petits rats. Vous pourrez même pas aller aux toilettes sans que je sache si vous faites un numéro 1 ou un numéro 2. Oh, on trouve ça moins drôle, hein? Ben, c'est ça. C'est beaucoup de bonheur au secondaire. Mes petits amis. Ça va, ça va, ça va. Ça va! Finalement, on était peut-être mieux avant d'être sur la liste noire. Envie de relever les défis? Viens nous rejoindre sur le site de Subito Texto.